Et c'est reparti pour un tournage, les puces. Aujourd'hui, non, je ne suis pas réalisateur. J'aide mon réalisateur à porter le matériel. On va tourner donc un nouvel épisode de Baby Story avec une candidate de Mariée au premier regard. Est-ce que vous avez suivi cette émission? Et c'est Émilie! Voilà, j'ai annoncé le tournage de ce Baby Story spécial. Ah, enfin, je peux le dire aussi sur mes... Oui. Spécial Mariée au premier regard. Alors, vous voyez, elle a remis sa robe. Juste pour le tournage. Et la petite Lina aujourd'hui est très agitée. Voilà. Donc ce sera un épisode très sympa. On va apprendre donc pas mal de choses, les puces, donc sur son expérience dans l'émission, mais pas que, puisque c'est Baby Story. Surtout sur son rôle de maman solo, puisque c'est un parcours assez compliqué. T'as pas chaud là? Ah si, j'ai marre de chaud. On est en pleine canicule, elle est en robe de mariée dans son salon, je suis mort. Donc ça va être bien sympa, n'est-ce pas? Ouais, on a hâte de vous montrer tout ça avec Lina. Ça sortira très bientôt, les puces. Bon, contente d'être l'épisode 16? Oui, on est très contents, attends. En plus, t'as plein de choses à dire. Bah ouais, plein de choses. Voilà, Lina, c'est plein de choses à dire depuis deux. Alors moi, je n'ai jamais regardé cette émission, c'est terminé, là, c'est plus diffusé. Non, c'est terminé, enfin. Et tu t'es vraiment mariée avec un inconnu? Ouais, je me suis vraiment mariée avec un inconnu, ouais. Mais ça va pas. Ça va pas. Et là, t'es divorcée? Ouais. Madame, je sens que cette interview, ça va promettre. Hein. Délivrée. J'ai mis ça, Agapin. Je suis de nouveau célibataire. Est-ce que vous avez suivi les puces cette émission? Est-ce que vous vous souvenez d'Émilie? J'imagine que oui. T'as un personnage qui t'a marqué, non? Un peu, ouais, quand même. Ouais. Oui, bah ouais. Je pense que t'es la seule qui s'est divorcée cette année, Kate, non? Non, tu rigoles quoi? Ah, il y en a beaucoup. Peut-être pas beaucoup, mais je crois qu'il y a trois couples qui n'ont pas tenu. Hein. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a que deux qui ont tenu. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Lina. On a perdu l'alliance. Je crois qu'elle a été jetée par terre par ta fille. Elle est où l'alliance, Doudou? Faudrait, bah, au pire, tu l'aspireras, je sais pas. Maman, il y a un mot, c'était pour toi. Elle a perdu l'alliance, je l'ai entendu tomber par terre, mais je sais pas où elle est. Ah là là, c'est pas une juste là. Oh, c'est là. Ah, elle est où? Là-bas. Ah bah la voilà, j'adore, les alliances sont au sol ici comme des vulgaires miettes de pain, bah je te la rends quand même. C'est ma fille avec qui l'a jetée. Elle est belle, ceci étant dit. Fais voir, alors moi je suis pas du tout sensible aux bagues. Ah, elle est super jolie, je trouve. Je sais pas, je suis pas sensible aux bijoux. Pour moi c'est un tas de ferraille quoi. Enfin, Ah ouais, t'es comme ça toi. Bah y a pas d'or là-dessus ici. Il me semble que c'est de l'or blanc. Ah oui, peut-être. C'est de l'or blanc. Regarde, oh, dans l'oreille, attends, qu'est-ce qu'elle va en faire? Ah, l'alliance, elle va prendre cher. Hein. Alina, elle est très vite. C'est un cure-oreille. Non, mais alors, on est à Vincennes. Il y a des avions qui passent, mais hyper près. Apparemment, c'est pour les répétitions du 14 juillet. Ah, mais c'est dingue. On a le... Je vous jure, on a le spectacle du 14 juillet en avance. Incroyable. Bon, vas-y, tu peux venir. Oh là là, mais quelle galère. On est sur une barque. Doucement, mets-toi au centre parce que si le bébé tombe à l'eau, on est mal. Non mais alors ça, vous verrez dans l'épisode Baby Story, je me suis fait hurler dessus comme du poisson pourri par le mec, il était détestable. Parce que moi je comprends rien comment utiliser les rames. C'est bon? Mais bon. Quelle galère! C'est hyper compliqué hein, ce truc là. Hein. Non mais elle l'aura mise combien de fois dans la journée cette robe? Je te jure. Comme quoi elle était vraiment... Je me demande si je vais vraiment la vendre en fait. Bah ouais, garde-la. Hein. Et oui, on est toujours en tournage. Oui. Venir pour quoi faire? Ah bah j'ai encore moins l'habitude que toi hein, de fermer des vêtements de femme. Hein. Non mais je vous jure, j'ai l'impression de te faire retourner l'émission, tu sais. Mais c'est ça, mais moi aussi, hein, j'ai l'impression de revivre rien. Et alors là, avec la canicule, pff, je vous raconte pas. Déjà moi j'ai chaud, mais alors toi j'imagine même pas là-dedans. C'est horrible, vous rendez pas compte. Et oui, c'est une maman à toute épreuve, même en robe de mariée, qui s'occupe de sa fille. En toutes circonstances, la robe dans les fils de tournage et les prises, mais je canne. Hop, tournage interrompu, j'aime trop, il y a le micro qui pend dans la robe de mariée et la couche qui est changée pendant le tournage. Ah, c'est pas facile, hein? Ah non, c'est dur. Là. Un enfant, c'est dur, mais alors en tournage, encore plus. Tu vas t'en sortir? Je sais pas. En tout cas, ce soir, je vais être vraiment fatiguée. On est en pleine interview, je vous jure. Et donc, il y a les couches à changer. Et regardez, il y a son micro qui est là, mais je suis mort. Tournage à nouveau interrompu pour cause de nettoyage en robe de mariée. Non mais tu nous les feras toutes toi. Hein. Bienvenue dans la vie de maman.
Elle a mis du gâteau partout par terre. On a les doigts de pied qui collent aux barquettes de Lu. Bienvenue dans la vie de maman, les gars. Je suis sûre qu'il y a plein de mamans. Mais j'adore. Elle fait le ménage en robe de mari, mais c'est hilarant. Bon, allez, on va peut-être pouvoir reprendre le tournage. Alors, ça fait combien d'heures qu'on est ensemble? Écoute, depuis quoi? Depuis 10h ce soir, 10h du matin, il est 20h08. Nous sommes toujours en tournage. Ça va? Ouais, un peu de mal, quand même. Je sais pas si tu veux des gaines, là, je n'en peux plus. Non, c'est très très long comme tournage, mais au moins ça sera complet. Bah oui. T'as pu te livrer et dire pas mal de choses que t'avais jamais dites, hein? Exactement, ouais, c'est vrai. Franchement, on a appris plein de choses. Et voilà. Bon, pour tous ceux qui me disent « Oui, elle n'a pas été cool avec son mari », parce que j'ai reçu pas mal de messages, « Oh, c'est une hystérique ou quoi ?» Attendez de voir les puces, l'épisode de Baby Story, parce que ce que vous voyez à la télé, c'est pas pareil que la vraie vie. Bah, c'est surtout quand t'es là, on sait pas tout, on voit pas tout. C'est ça le problème. Et c'est surtout que moi, je raconte pas tout. Donc voilà. Moi, je vous rassure, je suis pas hystérique. Ouais, non, ça va, j'ai passé une journée avec toi, t'étais pas du tout hystérique. T'étais plutôt même normale. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis pas hystérique. Quoi. Voire sympa. Oh, attends, je suis cool quand même. T'étais pas une connasse comme j'aurais pensé. Justement, oh là, qu'est-ce que. T'es bon, tout va bien, Lina? Ouais. Non, mais voilà, moi j'ai passé une journée avec toi, donc c'est vrai qu'on est du matin au soir ensemble. Et il n'y a pas de montage, quoi. Enfin, je veux dire, si, enfin, il y en a, mais je veux dire. On a vécu quand même un tournage. Oui, tout ce qui est filmé et diffusé, quoi. Donc. Ouais, sportif. Voilà, il n'y a pas de truc faussé. Donc, vous verrez ça, notre chère Émilie. J'ai été en immersion. Et croyez-moi que j'en ai appris des vertes et des pas mûres. Ouais. Sur cette émission encore. Ouais, bah oui. L'envers du décor. Ah oui, l'envers du décor. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés par les bébés, les puces, ou par la maternité ou quoi, vous aurez quelques petits potins. Voilà, il y a de tout dans cet épisode. Je suis un peu trop bronzée, moi. Bah, tu peux faire quoi? Tu peux faire comment? Regarde comment je suis blanche, moi. Non, ça va. Parce que genre, je suis hyper blanche. Tu fais très Katy Perry. Elle m'a dit ça. Non, mais beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup. Beaucoup me l'ont dit en réponse aux stories. Ah bon? Que tu ressemblais à Katy Perry à la française. Katy Perry en chip, non? Parce que franchement, moi, je vois. Non, il y a un air, je te jure. Ah ouais? Alors, ça, je crève. Serait-ce Francis Lalanne? Francis? Est-ce que je peux avoir un soirée qui, moi aussi? C'est les triplés que t'attends là. Oh, t'amuse! Je vous cache pas que c'est pour m'aider à aller à la selle. Parce que je suis un peu bloquée. Donc, je fais une raclette depuis l'hiver passé. Hein. C'est ça.